Bonjour, on se retrouve dans un nouveau village du canton d'Autume. Aujourd'hui, nous sommes à Gredizan, à quelques kilomètres de Dole. Petite commune de combien ? 140 habitants tout de même. On les appelle les Gredaillers ou les Gredaillères. C'est une vieille commune, on retrouve même des traces de Gredizan dans les archives au XIIIe siècle. Voilà, nous sommes devant la mairie de Gredizan, village qui est situé dans une cuvette en plein soleil, car dans les tout premiers siècles de Gredizan, il y avait des vignes un petit peu partout, comme dans beaucoup de villages ici du canton d'Autume. Vous remarquerez aussi derrière moi cette magnifique fontaine, fontaine de cette place centrale. Et vous retrouverez ce qui est typique d'un village vigneron, toutes ces grosses maisons qui sont serrées les unes aux autres ici au centre du village. Gredizan, un vieux village gallo-romain qui aussi, eh bien, au Moyen-Âge, est le chemin de la poste entre Dole et Grès. Et puis sachez que c'est aussi le chemin que l'empereur Frédéric Barberousse venait tenir ses cours d'amour, encore d'ailleurs utilisés aujourd'hui. Nous sommes ici rue de la Croix Saint-Denis, que vous pouvez apercevoir cette croix pâtée un petit peu plus haut qui est en grès. Et puis on termine cette petite visite de Gredizan par l'église de l'Immaculée Conception qui est derrière moi. Voilà, petite église toute simple à retrouver ici dans ce village du canton d'Autume. Je vous y invite ici à Gredizan.